Comme chaque année, il y a eu des scènes plus marquantes que d'autres au cinéma. Ce top leur est consacré. Ici, je vais vous faire le top 5 des séquences qui m'ont le plus marqué au cinéma cette année. Donc, commençons tout de suite. Numéro 5. Il faut dire que l'année 2015 avait sacrément commencé, car souvenez-vous, la deuxième semaine de cette année, un film délirant et fou, livré par un Argentin sous acide, nous foutait une grosse claque avec une scène d'ouverture complètement folle. Cette ouverture, c'est une séquence à l'humour et à l'énergie aussi surprenante que jouissive, une séquence folle et ambitieuse qui pose les bases d'un humour qui n'aura pas la moindre limite, pour un jeune auteur qui nous en envoie plein la gueule pendant 2 heures de film. C'est un trip cette ouverture, et ce n'est que le début d'un film délirant et extrême de bout en bout qui surprend à chaque instant et qui subjugue par une fulgurance humoristique novatrice. Numéro 4. Bon, là malheureusement on va pas y avoir grand chose à montrer, mais pour faire simple et en gros, cette scène-là surprend, plante le ton du film et surtout permet à Noé de poser littéralement ses couilles sur la table. Plus sérieusement, la séquence d'introduction de Love avait tout de la séquence casse-gueule pour introduire un film. Et finalement, la beauté du geste, la subtilité de la mise en scène, l'élégance du jeu et de l'action que nous montre Noé réussit à totalement nous emporter et nous prend par la main pour la suite. On est touché par ce qui aurait pu n'être finalement qu'un moment de cinéma maladroit et grossier, et qui devient en fait une déclaration d'amour à l'être humain et à son défaut romantique premier, sa capacité à tomber amoureux trop rapidement et trop facilement. Numéro 3. Là, on tape clairement dans ce qui fut la claque esthétique de l'année, et donc forcément, il y a une des séquences de film qui rentre dans ce top, et cette séquence-là, c'est la séquence emblématique du long métrage, qui a d'ailleurs servi à vendre le film tout au long de sa campagne publicitaire. Une tempête, cela fait toujours peur, mais lorsqu'elle devient dantesque à ce point, cela donne lieu à l'une des séquences les plus éblouissantes de l'année, une séquence à l'impact graphique juste dingue, et à la puissance esthétique rare et même unique. Miller livre clairement l'une des plus grandes scènes d'action de l'année 2015, et peut-être même l'une des plus grandes scènes d'action de la dernière décennie, au cœur d'un des plus grands films de l'année, pour une séquence que l'on a du mal à oublier. Numéro 2. Ce film, personne ne l'attendait, et on n'en attendait pas grand-chose. Mais en regardant les 2 premières minutes, on est saisi par une émotion folle et primaire. On se retrouve face à une flopée de visages tous plus criants d'émotions les uns que les autres. Des visages qui rassemblent toutes les cultures, toutes les pensées et toutes les impressions que l'on peut avoir face au monde, qu'il soit bon ou mauvais. C'est là que l'on saisit l'envergure de cette œuvre et c'est surtout à ce moment-là que l'on a des frissons d'une telle force que l'on a presque les larmes aux yeux alors que le long métrage vient à peine de commencer. Et donc, numéro 1. Il y a de ces moments de cinéma qui vous glacent tellement les chines que vous avez du mal à vous en remettre. En février, un film a fait cet effet-là, au cœur d'une séquence qui apparaissait en plein milieu de celui-ci. La séquence en question laisse le personnage principal de It Follows en proie à une créature gigantesque, alors que ses amis cherchent à l'aider. Une créature qui sort de nulle part dans le cadre et qui donne lieu à un moment d'effroi magnifique et envoûtant. Le tout enrobé par la sublime musique de Disaster Piece, qui offre là un des grands moments de cinéma de l'année au cœur d'une œuvre à l'envergure horrifique à la fois magnifique et envoûtante, un paroxysme merveilleux de cinéma. Donc voilà, c'était mon top des meilleures séquences que j'ai vues en 2015. Mettez-les-vous dans les commentaires, ça sera rigolo de comparer et voir si on a des similitudes. On se retrouvera demain pour un top des meilleurs films que j'ai vus sur YouTube en 2015. Et d'ici là, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films.